Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Nous lisons le Saint-Évangile selon Saint-Luc, chapitre 12, versets 8 à 12. Je vous le dis celui qui m'aura reconnu devant les hommes, le Fils de l'homme, à son tour, le reconnaîtra devant les anges de Dieu. Mais si quelqu'un me renie devant les hommes, il sera renié en présence des anges de Dieu. Si l'on a attaqué en parole le fils de l'homme, il y aura pardon. Mais si l'on a blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Quand ils vous traîneront devant les conseils de synagogue ou devant le, les pouvoirs publics et les autorités, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, votre défense, de ce que vous direz pour votre défense et comment vous le direz. Car l'Esprit Saint vous donnera à cette heure même ce que vous aurez à dire. Alléluia, merci Jésus pour ta parole. La question de se reconnaître de Jésus devant les hommes. Excellente, excellente question. Merci Jésus de nous donner cette joie de témoigner de toi, car c'est une joie. Une joie immense que l'on ne doit pas, bien sûr, faire avec le moteur de l'orgueil, ce qu'on appellerait un orgueil spirituel, qui est, qui est pas bon, et catastrophique. L'orgueil, c'est pas la bonne solution. Il faut aller à la joie, à la joie, à la source de la joie que tu es, Jésus. Et Jésus insiste sur une autre séquence d'évangile, il hein, dit, celui qui rougit de, de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père. Donc ça veut dire que dans, par cette insistance, nous comprenons que Jésus est très attentif à ça. Pourquoi Jésus nous dit cela Tout simplement, ça ne peut être que de, pour de bonnes raisons car l'acte de sacrifice, Jésus déjà s'est incarné, il s'est offert, il a donné, tu as donné ta vie pour nous, Jésus, merci Jésus, et tu es ressuscité pour nous. Ça a demandé un effort absolument extraordinaire, qui a été voulu par le Père lui-même, et Jésus l'a parfaitement assumé, entrepris, réalisé, accompli. Donc c'est une œuvre, c'est la plus grande œuvre de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de, de la terre, où Jésus, qui est Dieu, s'est offert. Donc on ne peut pas traiter ça comme on dit par-dessus la jambe. On ne peut pas réduire cela, ce sacrifice, ce don, ce don parfait, on ne peut pas le négliger, puisqu'il a dû en coûter au Père de voir son Fils ainsi projeté dans le monde. Et c'est insupportable, c'est insupportable. Donc c'est notre plus grand trésor, hein. Jésus nous le dit, là où est ton cœur, là où aussi est ton trésor. Jésus nous dit sans cesse, la phrase la plus répétée de l'évangile, c'est ⁇ Le royaume des cieux s'est fait tout proche ⁇ c'est-à-dire qu'il nous a été, il nous est donné cette vie, cet accès à la vie éternelle, et on ne peut pas le négliger. Et il n'y a pas de place pour une une relativisation de cela. On ne, pas, on ne peut pas relativiser quand il y a eu quand le sang a coulé, et que c'est le précieux sang en plus du roi des rois, du seigneur des seigneurs, de l'agneau sans tache, du, du lion de Judas, du roi de gloire du Dieu de nos vies, Jésus le Christ, le Christ Jésus, comme dit Saint Paul. Donc soyons conscients de cette grâce que nous avons, et bien sûr, Bien sûr, témoignons, affirmons notre foi, encore une fois, sans orgueil. La question suivante, c'est sur la question des insultes. Dans une autre séquence d'Évangile, Jésus dit si l'on a, si a attaqué en parole le Fils de l'homme, si l'on a insulté, il y aura pardon si la personne demande pardon. Et Jésus rajoute dans une autre séquence, si quelqu'un insulte le Père aussi, il sera pardonné. Et vient la question du... Pardon impossible pour des insultes envers l'Esprit Saint, même s'il y a demande de pardon. Alors attention, le malin va se saisir de ça pour essayer de nous faire croire qu'on est tout le temps en train de blasphémer l'Esprit Saint. Attention à ça. Mais le, le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est une affaire complexe. Bien sûr, se produire des insultes en public contre l'Esprit Saint, c'est l'insulter, évidemment. Mais il y a aussi une autre forme de blasphème contre l'Esprit Saint. C'est-à-dire de, de refuser, de, de refuser la grâce, de refuser la grâce, c'est-à-dire de véhiculer l'idée que Dieu ne peut pas réaliser quelque chose. C'est une façon, et ce, ce, ce blasphème-là, il ne peut pas être pardonné par Dieu, puisque c'est nous qui devons, qui acceptons. Et qui demandons, et qui nous croyons, nous croyons en cette idée que Jésus peut réaliser ceci ou cela. Et pas, Dieu ne peut pas nous imposer, Jésus ne peut pas nous imposer de croire. Il ne le fait pas, c'est le libre arbitre. Donc si nous nous disons, ah ça c'est impossible, ça c'est impossible, ben on, on se met finalement dans, une, dans un blasphème où on, on refuse cet accès à cette vérité que Jésus peut réaliser absolument tout. Car Jésus est celui qui peut tout et qui porte tout. Amen. Donc il, nous, il suffit pour nous d'arrêter de véhiculer cette fausse idée que Jésus, qui est Dieu, ne peut réaliser ceci ou cela. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous à ce moment-là. J'espère que c'est que vous aurez compris. Si vous n'avez si pas compris, dites-moi-le dans les commentaires. On pourra en reparler, soit en privé, soit je peux faire une vidéo supplémentaire. Enfin, la question de la la mise en accusation, si l'on a témoigné, parce que Jésus parle du témoignage, je viens d'en parler, mais il parle aussi immédiatement d'avoir que nous pouvons être inquiétés pour avoir témoigné de Jésus, et Jésus, déjà, nous rassure en disant ne vous inquiétez pas, l'Esprit Saint sera avec vous. Pour témoigner, vous n'aurez pas à vous trouver un avocat. Vous l'avez déjà, c'est l'Esprit Saint qui vous dira ce que vous aurez à dire. Et il est dit dans une autre séquence d'évangile ce que vous dira de dire l'Esprit Saint fera fermer la bouche de vos adversaires. Alléluia Merci Jésus d'être le Roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen, au oh, Jésus, s'il te plaît, toi qui peux tout et qui portes tout. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô oh Jésus, Sainte Marie reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saints amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite.